recruter, il y aura aussi un arbitrage britannique qui est différent hein, du top 14. Oula, on prend les matchs les uns après les autres. Le coup d'envoi donné par Romain Tamac. Directement dans les bras de Woodburn. Récupéré par le bout du maillot. Et voici Exeter dans les 22 mètres. Les joueurs anglais avec des jeux par Romain Tamac. Dupont à nouveau. Tamac au pied dans le dos avec la couverture. C'est vu parce qu'il est isolé. Kinghorn, avec Lebel, l'accélération de Lebel, ça va se jouer en un contre un, il peut transmettre, et voilà le premier essai, signé. Sur cet essai de Romain Tamac. Avec une transformation réussie par Kinghorn, qui permet à Toulouse, après avoir été secoué pendant 5 minutes, de prendre les... Yamoso qui est fixé, Hodge aussi qui est fixé par Aki, qui libère Lebel avec de l'espace, et Romain Tamac qui a poursuivi son effort en se restant... rapide, défense kamikaze, mais presque. Il y a encore Paul Coste et Antoine Dupont éventuellement. Je vous parlais de cette défense, c'est une équipe qui a remis au goût du jour le rush defense. La défense, les 3 points n'étaient pas très importants contre Toulouse tout à l'heure, les 7 points contre Exeter. Ce n'est que le début également, mais pour avoir passé un petit peu de temps mercredi avec les Toulousains. Ils avaient sûrement sur l'extérieur en reculant le ballon une fois. Avec le retour intérieur et cette passe pour Skinner servie par Devoto et les voici dans les 22 mètres. Le coup de pied de Romain Tamac dans les bras de Woodburn encore. Et un premier plaquage manqué de la part de Malia sur Woodburn, bien repris derrière par le travailleur. Faire la passe à l'extérieur sur Romain Tamac, il y avait un 3 contre 1. Oups, plan avant de Romain Tamac sous la pression. Et pas d'avantage. Elle est là aussi. Il est là l'intérêt. 28 minutes de jeu. Sur Romain Tamac, c'était l'action précédente, on ne reverra pas. Il y avait de l'espace sur l'extérieur, c'était Feilly ou Wabozo, était tout seul. Ouais, peut-être aller. Allez, vite, vite, voilà. C'est ce que les Toulousains doivent faire. Là, aller vite, il y aura peut-être un surnom en bout de ligne. Lebel, le jeu au pied. Ah, c'est bien fait de la part de Lebel. Et le ballon qui va arrêter à la dernière. Mais attention, dans le serreur qui font. Ah, il sort, joueur. Et cette rush défense, encore une fois, qui va pousser les Toulousains à la faute pour le moment. Ils viennent de perdre 10 mètres. C'est important, sur ces renvois dans la foulée, de ne pas se retrouver sous pression, de pouvoir se dégager, ce que fait Romain Tamac. Avec le démarrage maintenant, Kertz pour aller servir Wabozo. Off the back of so many departures, 14 big names left. Rob Baxter rebuilding this side. He's already said they are well ahead of schedule. No need for tries as you might get in the Premiership or in the pool stages of this competition. Some of it enforced. Around the outside there, but some of it's in force, so he's going to be held up there. That's a more call. Can they get it back on there? Half gap, which is shut very quickly by Cairns, very effectively. And Tamac, though, feeds Kinghorn. Lebel screaming for it on the left. And there might be a time where he does want to come down to the south of France and join. Bat it upwards. Yeah, number 20. And Toulouse feeling confident to commit more men to that open side. As they work it to lose through, and Tamac kept alive, and Aldegheri is caught. Also taking that extra step to try and open a gap or a half gap that he can run at a shoulder rather than, or an arm maybe rather than a shoulder. And Dupont is assessing the options, and Tamac straightens quite brilliantly. Away they come, an unstoppable force at times. 19 points to 17. And Zach Wimbush replacing Ollie Devoto. Here goes Lebel. Lebel feeds Aki. And there is the cert. Amazingly to get back and recover. But just a beautiful line from Tamac. Sets it up on a plate for Dupont. And Tamac. And now even those half stray passes are going to happen. They will just pick you off. Tamac. Hold red. That's none of his
silky ability in that way. Just down the road in Le Stadium, the football ground, which is not too far away from here. Trying to hold Marchand. Battling uphill, Ramos. Big sweeping miss pass. And has to stay as tight as he can and then back his pace to get out wide, so he's such an easy target to be wrong-footed. Steered the ship beautifully. Only a couple of weeks back from that really nasty knee injury.